voie était maintenant dégagée pour Kratos. Cependant, les souvenirs continuaient d'affluer, aussi familiers et permanents que les lames fixées à ses poignets. Il se souvenait de ce qu'il avait fait au nom d'Arès, de la façon dont il était devenu le serviteur du dieu de la guerre. Une bête, son humanité volée et remplacée par une seule volonté, celle de tuer. Personne n'était à l'abri. Des armées tout entières tombèrent devant Kratos et les soldats qui le suivaient dans ses incessantes conquêtes, toujours au nom de son maître. Ceux qui offraient la moindre résistance voyaient leur sort réglé rapidement. Ils ont érigé ce temple dans le but de prier Athéna. Ce village tout entier est un véritable affront au seigneur Arès. Brûlez ce village de fond en comble! Encouragé par le dieu de la guerre, l'armée de Kratos était impitoyable et crainte dans le monde entier pour sa brutalité. Tout ce qui importait était de conquérir au nom de Kratos, leur chef incontesté devenu quasiment invincible. Ils n'avaient peur de rien. Mais il y avait quelque chose à propos de ce temple, quelque chose d'interdit. Son instinct lui disait qu'il ne devait absolument pas en franchir le seuil, ne jamais y pénétrer. Attention, Kratos. Les dangers du temple sont bien plus grands que vous ne le croyez. Mais l'avertissement de l'oracle du village fut inutile. Son ambition ne serait pas contrariée. Tous ceux qui s'opposeraient à lui mourraient. À cet instant, la gloire dont il se délectait se transforma en horreur. L'image de ses deux dernières victimes resterait avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Après cet acte, Kratos savait qu'il ne pourrait plus jamais être au service de son maître. Il n'avait plus qu'une obsession maintenant, la mort d'Arès. Il se chargerait de tuer le dieu de la guerre. Arès. Vous mourrez pour ce que vous avez fait.